Nouvel épisode de Skyrim, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois, du coup, on va continuer. Bon, faut toujours qu'on aille parler au monsieur là. On va essayer de trouver le monsieur. Je sais pas du tout où il est, je crois qu'il est en haut. On va regarder. Et faut aller sur le grand château à Blancherive. Ouais, bah, du coup, il faut que je monte. Il y avait Monte quoi. Tu sais, j'arrive voir le mec avec ma grosse hache là. Bon, t'inquiète. On a demandé le mec si j'avais pas une petite pièce. Bah si sûrement, mais pas pour toi quoi. Non mais faut pas leur donner parce qu'ils ont plein de thunes sur eux. Mais c'est une petite. Si t'as une enfant, tu peux lui donner la pièce. Tu peux même l'adopter si tu veux, si t'as une maison. Non, j'ai pas que ça à foutre. Mais t'as fait une maison en plus. Bah non mais là tu peux pas en avoir pour l'instant de toute façon. Ah, il est là le mec. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai une nouvelle d'Elgen. Merci, connasse. Alors comme ça, vous étiez à Elgen. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Vraiment? Eh bien, vous n'avez pas peur de parler sans détour de votre passé criminel. Et les condamnés à mort de l'Empire ne m'intéressent pas. Et encore moins maintenant. Ce que je veux savoir exactement, c'est ce qui s'est passé à Elgen. Par Ismir, Irileth avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Un dragon? Nous devrions envoyer des troupes à Rivebois sur le champ. Ok, nouvelle zone. Le Jarl d'Etherwyn considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas. Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irileth, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Voilà, plaît. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'a. Alors, Saint-Soleil, du coup, on va l'appeler Esteban Zia. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et Tao, t'en fais quoi? Parce qu'il est noir, c'est pour ça. Bah, j'ai pas la place déjà pour commencer, hein. Voilà, Esteban Zia. Tertre des chutes tourmentées. Adressez-vous à Faranja. Il est juste à côté Faranja. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ses dragons. Attends, je vais manger un peu quand même. Multi-type. Il a la capacité spéciale d'Archeus. Ah, il est juste à côté. Laisse-moi passer! Il est trop gros lui. Oh, c'est un assassin des Templiers, what the fuck? Non, c'est un mage. Pouvoir m'aider, ça m'étonnerait. Vous trouverez plus sûrement le Jarl assis dans la salle du trône, pas dans le laboratoire d'un mage. En gare, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Mmh. Oh, vas-y, dis-moi où je dois aller, hein. Je pas de savoir le pourquoi du comment, vous. J'aime les gens directs. Vous laissez vos supérieurs se débarrasser avec les détails, hein. Je sais pas où c'est celle-là, mais... J'ai entendu parler d'une tablette... Un tableau à faire une bière. Retrouver la pierre de dragon. Censé contenir ah, voilà, c'est ça. De dragon. C'est ça? Okay. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées. Trouvez cette tablette sans doute enterrée dans la chambre principale et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Ok. Oh, j'ai assisté de trois couches.
c'est bon, non? C'est une priorité maintenant. Il nous faut tous bien servir à affronter ce ou ces dragons. Nous en avons besoin avant qu'il ne soit trop tard. Entendu, Yarl. Vous m'avez visiblement trouvé un pas droit qualifié. Pas de soucis, les potes. On y va. Allez, let's go. On la porte au lieu de foncer dedans. C'est un coup. Alors attends, il faut que j'aille où? Carte. Ah oh ouais, putain, c'est un peu loin quand même. Ouais, c'est, ça c'est Skyrim, hein, mec. Là c'est. Ah, va falloir que. Putain, faut que je fasse tout à pied là. Ouais. Oh sa mère. Mais fais gaffe, essaye de pas trop passer par la montagne, essaye de suivre une route parce que. Souvent quand tu essaies de passer par les montagnes, tu finis bloqué et tu passes pour un con un peu. On va essayer de tuer personne parce que là on va finir en taule. Hein. Dans les villes, non, mais après, de toute façon, tu vas rencontrer des bêtes sauvages que tu pourras exploser. Est-ce que je peux descendre par là? Une fois que tu auras fait cette quête, je vais te dire ce que tu pourras faire comme quête après. Ok. En plus, je peux pas courir super longtemps avec. Merde. De toute façon, en plus, non, mais tu dis que tu peux pas courir longtemps, mais l'orc c'est celui qui a le plus d'endurance de base, je crois. Ah ouais? Genre, les speedrunners, ceux qui speedrun le jeu, ils prennent l'orc en fait, parce que genre. Celui qui a le plus de stamina de base. Hein? Ah, j'imagine même pas les autres. Non, mais ça se joue à que dalle, genre, ça doit se jouer, je sais pas, à 0,5 secondes, tu vois, genre. Si j'avais pu choper un cheval là. Après speedrun Skyrim c'est un peu de la merde quoi. Ouais bah ouais au final. Ouais le but c'est de faire le plus de quêtes possible. Bah c'est peut-être pas faire le plus de quêtes possible mais genre enfin le jeu faut tout faire quoi. Enfin. Tu vois si tu veux faire plusieurs quêtes, genre en plus tu vois il y a des quêtes, genre, c'est des histoires carrément. Ok, si je me déplace dans ce sens. Il faut que j'aille tout droit comme ça. Allez, allez, let's go. Ah bah là j'ai bien suivi la route, hein, NDR. Je suis en plein dans les montagnes. Il y a un feu là-bas. N'y va pas, il va y avoir des géants, tu vas te prendre un coup de masse et tu vas mourir. D'accord. Ça dépend de l'attaque du feu, si c'est un grand feu, n'y va pas. Ah bah c'est un putain de grand feu et il y a des putains de grands géants. Ah bah, vas-y, va les voir. Essaye d'en combattre un. Non, merci. Ton niveau là, tu vas y arriver, il va te prendre un gros coup de masse dans la gueule et tu vas mourir. Il va t'exploser la gueule. Oh, gentiment, bien sûr. Non, le loup, arrête de descendre. Mais. Hey, y'a là. Mais il descend. Il descend la montagne, le loup. Genre, il descend tout seul. Je l'ai tué et il descend. Bon, on va essayer de retrouver un sentier à peu près potable. Parce que bon, là, c'est pas super terrible, quoi. Ça me paraît pas mal. Ouais. Est-ce que je suis bien là niveau de la carte? Ah, mais je suis presque arrivé en fait! Oh, c'était rapide!
Let's go brûler des gens. Si je vais plus vers là-bas. Ça doit être tout au bout de la falaise là, je pense. Potentiellement. Nevermind, c'est pas grave. T'es perdu? En fait, je cherche la grotte, je suis pas super super loin. Oh, t'inquiète, je suis trop loin. Faut pas être ingénieur, mec. Par là-bas sur la carte, je suis bien. Ah non, c'est pas par là-bas. Ça doit être par là-bas, je pense. Ouais, ça doit être ça. Yes, j'ai trouvé. Félicitations. Marché. Il faut que je monte les marches. C'est une porte, ça? C'est pas une porte, ça. Ouais. Oula, y'a du monde là. Toi, j'ai jamais appris à tirer à l'arc, moi. Je suis archi naze. Oh, je suis archi naze. Aïe 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 aïe. Attends, objet. Arme. Putain, je vais péter la gueule. Putain. Avec la gueule, moi. C'est pas son cadavre, il descend, moi. Alors. Tu vas voir quand t'auras le foutre là. J'aimerais bien régénérer. Bon, lui, il m'emmerde avec son arc, là. Hop, ça dodge. Voilà. Reste à avec son arc. Oh, je lui prends tout, hein. Alors là, il finit à poil, lui. Hein. Tout nu. Hop. On entre dedans. Bon, bon, bon. Ok, bon, là, je suis à l'intérieur du truc. Il y a déjà des gens qui sont morts, là. C'est intéressant, ça. Oula. Fais gaffe, un moment, dans ce temple, je crois que tu tombes dans une grosse araignée, tu vois. Hop, ça dodge. Hop, ça dodge. Oh là là, mec! Comment je dodge trop bien les flèches? Tiens, je te pisse ta mère, toi. Voilà. Ok, c'est bon. Alors attends, ils savaient quoi sur eux? Parce que... aussi, on va les mettre à poil, hein. Parce que, attends. Voilà. Et l'autre, il est où? Crochet de bière. Vas-y, on prend de la bière. Hein. Ça va quoi, la bière? Ah merde, putain, je peux pas transporter trop de choses. Objet. Tous. Ah, t'es déjà full inventaire là? Ouais!
Putain, tu récupères pas trop tout, hein. Bah non, non, c'est pas Il y a vrai. des trucs, faut que je fasse gaffe, il y a des trucs qui sont vraiment, ça sert à rien de les récupérer. Nourriture, je peux virer la nourriture ou pas? La nourriture. Ouais. Morceau d'énard. Franchement, ouais, ça sert vraiment, genre, si t'as vraiment la. Si t'es en déche de vie, mais c'est pas utile, genre. Ouais, les sacs de farine. Bah, on va dire que ça sert vraiment à rien, quoi. Ingrédients. Pas de sel. Farine Après, brute. dans tes commentaires, t'auras peut-être un mec qui joue à Skyrim depuis sa sortie qui te dira: ah, mais non, c'est pas inutile, mais bon. Voilà quoi. On va virer 2-3 trucs, hein. On fait un peu le tri, hein. Potion, tenue, arme. Ah, mais les armes, j'en ai. Bah, les armes, ça sert à rien de les garder. Vraiment de les garder. À la limite, les armes, tu peux les vendre. Allez, c'est si part. On y retourne. Allez, il y a des grosses toiles d'araignées, hein. Ah, là, tu vas kiffer, là. Bah non, enfin ça va, c'est pas des grosses toiles d'araignée. T'as dû les casser pour rentrer? Non. Et à un moment, tu vas devoir casser des étoiles d'araignée pour rentrer. Tu vas kiffer. Ouais, j'ai vu sur le Best of Daldé. Ah ouais? Ouais. J'ai vu, genre l'araignée, elle la faisait flipper. Oh, tu sais, on s'y fait, hein. Oh, je m'arrête en haut, attends, je regarde s'il y a des trucs dans les machins. Oh, y a un mec là. YOLO! Non mais le mec se bat à main nue contre une hache. Mais ce mec est fou. C'est un dégénéré lui. Meryl est fou. Hache d'acier. Faut mieux que je prenne la hache ou l'espadon de fer? Parce que attends, les dégâts ils sont vachement plus grands. Tu peux prendre l'espadon, ouais. Ouais, ça serait mieux quand même. Bon, elle est un peu plus lourde, mais. Et du coup là tu peux prendre qu'un truc dans ta main. Enfin tu peux prendre que ça dans ta main. Tu peux prendre genre un sort ou quoi. Ou un bouclier. Ah, mais j'ai pas encore utilisé ça. Bah, t'as un sort de soin, des sorts de dégâts. Et je sais pas, genre. Et attends. Moi je suis bloqué. Pourquoi? Attends. Il y a un moment, faut bien utiliser le levier. Bah, il me semble, ouais. Bah, j'en sais rien, mais je m'en peux plus, moi. Mais ça marche pas. En fait, genre, je vais utiliser le levier et ça fait rien. J'ai l'impression que je me reçois des trucs dans la gueule quand je vais utiliser le levier. Ah, mais parce que t'as une énigme, trou du cul. Regarde sur le mur, t'as des pierres à bouger normalement, à gauche.
Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Activer. Et regarde juste en haut, quand t'es en face du levier, au levier, regarde en haut, genre ça te donne la solution de gauche et la solution de droite. Il faut que ce soit la solution du milieu. Ok, attends. Genre, s'il me semble, c'est serpent à gauche, tout à droite, c'est genre la baleine ou je sais pas quoi. Et au milieu, c'est serpent, il me semble. Donc ça, c'est serpent. Serpent, serpent, baleine, il me semble. Serpent, serpent. Baleine. Ça a l'air de marcher comme ça. Yep, c'est ça. Good job. On a un bouquin, on a des potions de soins, on prend toujours. Hein. Pas que ça sert les gemmes spirituelles. C'est pour quand tu voudras enchanter tes armes, je crois, mais. Ouais, c'est pour ça, mais. Ah, mais d'accord, il y a des sangliers qui m'attendent dans l'escalier, genre je leur mets un coup d'épée, ils meurent. C'est pas des sangliers, c'est des rats, trop du cul. Bon, ils sont vachement gros les rats quand même, hein. Bah ouais, mais c'est des rats. Putain de merde. Parce que c'est un sanglier, ça ressemble pas trop à ça quand même, mon bro. Hein. Bon. Ça va, Bah regarde leur tête et tu verras qu'un sanglier, ça hein. ressemble pas tellement à ça. Hein. Ouais, mais putain, les rats ils font ma taille. On est dans Skyrim, mon bro, les araignées font ta taille aussi, hein. Ah, j'ai trouvé la grosse araignée. Ouais, la grosse bévette. Ouais, la grosse bébête, effectivement. Y a une technique pour la battre ou pas? Tu restes derrière la porte et tu la spams de flèches ou de coups d'hache ou comme tu le sens. Reste derrière la porte. Salut ma belle! T'es un peu grosse, tu feras gaffe. Aïe! Ah mais d'accord, en plus ça met du poison. Okay. Bah oui, mec, elle t'explose la gueule. Attends, je pense qu'on va prendre l'arc. Ouais, tu places Attends, quoi? mais là je suis en niveau gagné. Faut mieux que je prenne magie, santé ou vigueur. Santé. Alors, attends, je vais prendre l'arc. Putain, enculé. Arme. Arc de chasse, arc long, arme de chasse. Ouais. Sinon tes armes tu peux les mettre en favori, genre après tu ouvres le menu favori. Ah! Une Et tu pique peux à les pute! assigner et tu peux les assigner à des touches. Bon bah c'est. Elle m'a touché la pute! Reviens ici, connasse! Salope! Je suis vraiment trop naze là. Et puis le mec qui est pris dans la toile d'araignée, faut que tu le butes et que tu récupères la griffe d'or. Dangereux. Je crois que j'ai tué. Bon, elle bouge plus, donc à mon avis, elle est morte. D'après moi, hein. Connasse. Flèche de fer, ouais. Venant. On s'en fout. Hein. Salut les amis. Ah. Bonjour monsieur. Bon bah désolé hein, apparemment il faut que tu meurs. Mais reviens ici!
Putain, culé, tiens, gros coup de hache là. Griffe d'or. Journal d'Arvel. Armure en peau, qu'est-ce qu'on peut? Et de fer. Ok. Alors on va voir si on peut mettre des meilleurs trucs. Armure d'acier. Apparemment c'est mieux. Botte impériale, apparemment c'est mieux aussi. Casque d'officier impérial. Pas dans le fer. Ouais, ça limite la hache, elle me va pas mal quoi. Hache d'acier. Ok, ça me paraît pas mal. Azu, t'es là? Non, il est mort. Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est quoi ça? Agression, agression. Ah mais c'est des putains de morts-vivants gros! Oh putain y'en a un derrière! Oh je vois le mage, moi je vois le mage, ta queue! Putain mais c'est des putains de morts-vivants ça hein! Hache nordique antique! C'est mieux ça ou pas? Ouais pas mieux. Oh ils avaient masse or en plus les morts-vivants hein. Attends. Objet. Arme. C'est quoi? Ma hache d'acier, j'ai 10, 12. Oh putain, c'est tellement mieux ceci. What the fuck? Tellement mieux. Putain, elle est tellement plus grosse ceci. Hein? Quoi ce merdier? Ah mais merde, j'avais pas vu ça. Ah ouais, merde. Non, faut que je fasse gaffe à ce que je fais moi. Ouais, re. Yo Azu, j'ai récupéré la griffe d'or. Donc maintenant, faut que tu continues le donjon. Il y a des morts vivants de partout gros. Quoi? Il y a des morts vivants? Bah tue-les. Tu continues le donjon, puis après t'auras une énigme. Et l'énigme, genre, c'est sur la griffe d'or que c'est marqué, genre, l'ordre de, des choses qu'il faut mettre. On est passé. Tiens. Putain, mais il est encore mort vivant quoi. Please, quoi. Oh bah je l'ai one shot lui. Oh bah super. Ah bah. Énorme. Des fois il y a de la musique, t'as l'impression que tu veux te faire niquer. Mais non, pas du tout. C'est de la musique pour niquer des merdes. Exactement. C'est une musique nickel. Oula, 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 Putain, c'est triste, y'a plus personne ici, j'ai buté tout le monde. Zbré! Oh, ton pic. Bon, ils font un peu mal les morts-vivants quand même. Les zombies là. On se balade tranquillement. Bré! Coupe les jambes, moi! Espadon nordique antique. C'est pas mort, ça. Alors. Il y a un coffre. J'aimerais bien des potions. Potion de magie légère. C'était pas vraiment cette potion que je voulais. Alors ça doit être là l'énigme.
Ah non. Nevermind, c'était pas là l'énigme. Non mais je crois que là je suis en train de sortir. Normal. T'es sûr que tu es en train de faire le chemin inverse là? Ouais. Je suis arrivé dans une salle, j'ai buté un mec et il y avait un coffre dedans. C'est vrai. Ouais, et j'ai juste eu à activer Shen pour sortir. Oh. Mais continue, mais t'es dehors là? Bah là, si je veux, je peux repartir dehors. Il faudrait que tu continues le donjon, je crois. Bah, le truc c'est que je sais pas par où on peut continuer là. Je vois rien qui permette de... Mais à part, t'as tué le mec avec la griffe d'or. Ouais. Mais il me semble qu'il faut que tu continues. Bah là j'ai tout continué, là j'ai tué tous les zombies et les couilles. Hein. Mais en fait c'est parce qu'il y avait une porte, en fait c'était pas genre une vraie porte, genre c'était un truc rond en fait, genre... à mon avis tu devais penser que c'était un cul-de-sac. Ah, du coup je retourne en arrière? Ouais je pense. Genre c'est un endroit, genre en fait au fond bah c'est un cul-de-sac et c'est genre une porte ronde en fait. Genre on dirait pas que c'est une porte en fait, de loin. Donc à mon avis tu t'es dit que c'est un cul-de-sac ou un piège ou oui tu t'es pas allé. À mon avis. Mais après je m'en rappelle plus très bien, genre. Chemin inverse, non? J'essaie de trouver un truc. Je regarde. Comment je fais pour ouvrir la serrure? C'est-à-dire? Parce que là j'ai trouvé un coffre et j'ai besoin de déverrouiller la serrure. Ah bah faut que tu t'es décroché, que tu la crochettes. Ouais mais j'y arrive pas. Genre il faut bien faire pivoter avec la souris et D ou A. Et puis après faut que tu presses Z. Ah. Les trois en même temps? Non, genre tu décales, après tu presses Z et tu vois genre si ça peut déverrouiller la porte. Putain, faut trouver le genre le bon endroit. J'avais réussi à décaler mais. Attends 2 secondes. Putain, mais please! Oh là là, LED. J'avais réussi à décaler, mais j'arrive plus à la projeter. En gros, faut trouver le bon emplacement, genre. Non, à chaque fois, il se casse. Ouais, bah du coup là je suis revenu au moment où j'ai tué le mec avec la griffe d'or. Attends, quoique, non. Là, il faut que t'avances, genre faut que tu cherches un endroit avec un cul-de-sac, genre au bout il y a une espèce de truc tout rond. Tout rond. Ouais, au fond. Est-ce que je te souviens si c'était avant la porte qui se referme sur toi et ça te fait des dégâts? Que je ne sais rien. Il est où t'as truc bordel? Je sais pas, ouais, je m'en peux même plus. Ah parce que là c'est bon, genre je suis revenu là à l'endroit où j'ai tué le monsieur. Faut que t'avances.
C'est Ah, plus attends. simple. Non. Non, c'est pas ça. Pareil. Ça peut être ça. Non, mais ça m'étonnerait que ce soit avant, du coup. Non, c'est après. Bon, c'est après. C'est genre pas loin, pas. Est-ce que tu peux faire genre un partage d'écran? Ouais, je peux. Hop, attendez 2 secondes, je vais partager à deux. Ok, re. Bon, je partage l'écran à deux. Donc là, je suis là. Là, c'est... J'ai un écran noir, lol. Attends, écran noir. Bon, du coup, ça lag un peu avec le partage d'écran, mais ne t'inquiète pas, je vais l'enlever après. Bah, vas-y, te lance tranquille, c'est pas grave. Hein? Non, t'inquiète, c'est bon en fait. Genre, non, mais tu vas trouver, je pense. Genre, c'est genre pas très loin. Genre, en fait, genre, faut que tu cherches en Android, il y a un cul-de-sac, et en fait, c'est pas un cul-de-sac, c'est une porte. Bon, bah, attendez, j'arrive. Ok, bon. Un endroit, c'est pas un cul-de-sac. Parce que là, le chemin, il est tout tracé pour moi. Mais je sais pas, alors c'était peut-être un autre temps. Alors c'est peut-être un autre temple, il faut utiliser la griffe d'or, mais il me semble pas, hein. Normalement c'est celui-là. Moi je te déteste si c'est un autre temple. Non 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 mais normalement c'est pas ça, même Alexis hier il a trouvé, il a mis 30 minutes mais il a trouvé. Bah super ça, on va passer l'épisode chercher... Mais non. Sinon après c'est scary, hein, genre, ouais. Faut pas avoir des épisodes de 20 minutes. Hein. Non bah ça c'est sûr. Hein. Là il y a une tête de serpent. Wesh, wesh, qui est bloqué. Parce que là, du coup, il me dit qu'on est à droite. J'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs cachés. Au pire, c'est pas grave. Mais je crois qu'il y avait un trésor derrière ou une connerie comme ça, genre. Ah ouais. Ouais. Parce que là il y a bien un truc en cul-de-sac, il y a un coffre mais que j'arrive pas à déverrouiller, parce que je suis vraiment très très doué. Et regarde genre au bout du cul-de-sac, genre regarde, y a pas genre un truc rond, genre avec des. Avec une énigme. Non, non, c'est juste des pierres là. C'est des pierres qui bouchent le passage. Là il y a peut-être des pierres, mais il n'y a pas d'énigme. En fait c'est un truc tout rond avec genre des trucs qui tournent et faut remettre dans l'ordre en fait. Il y a un truc tout rond. Et genre en fait tu peux poser la griffe d'or au centre et ça ouvre la porte. Aïe. Dommage qu'Alexis soit pas là parce que lui il aurait pu mieux t'expliquer que moi comme il a fait hier quoi. Non, je vais trouver un autre truc. Attends, je reviens doucement. Oh merde! Lol. On a mis en plus ça. Oh, super bon ça. Rond. Regarde sur les côtés s'il y a rien. Oh, il y a un truc qui tourne, putain de merde. Là ça ressemble à un cul-de-sac mais là on peut juste pas passer là. C'est bon, t'as pas trouvé? Non. Bon au pire tant pis, hein, je t'inquiète, au pire c'est pas grave. Ouais, je vais pas passer toute ma vie à chercher. Je sais pas, je reviendrai peut-être après demain. Non, de toute façon, ça sert à rien de revenir après parce que tu l'auras plus le griffe d'or. Ah, bah arrive. Ouais, parce que j'ai. Je crois bien avoir tout regardé, hein. Ah, ouais. Mais il me semble vraiment que c'était genre vraiment pas loin que tu tues le mec, hein. Quand tu tues le mec, genre un endroit, genre c'est vraiment pas loin. Ah, ouais. Bah là ça me semble un cul-de-sac mais y a rien de rond qui permette oh pire c'est pas là. Hop, on va ressortir de là. Tu sais moi je m'en rappelle vraiment plus trop quoi donc ouais. Peut-être que je le refasse.
Je regarde au cas où si c'est pas ici, pas vers la sortie là, ça m'étonnerait. Encore mort vivant ici là, il couche de là. Je me tourne. Nickel. Alors attends, là je continue à descendre. Là il y a un coffre là-bas. Peut-être aller chercher. J'ai plus qu'un crochet. Je suis trop naze. Bon, il va se casser. Après, quand tu montes ton niveau, il y a aussi des compétences à mettre. Hein. Genre, il n'y a pas que dans santé, vigueur, imagine. Bon, j'ai plus de crochet. Bien joué à moi. Mais mec, regarde bien, tu sais, quand tu vas dans... Tu sais, quand tu montes ton niveau, tu as un point de compétence à mettre dans santé, magie, vigueur. Ouais. Et bien, tu as un autre point de compétence à mettre dans toutes les autres compétences que tu as. Tu sais, tu vas dans compétences. Tu sais, là, t'as toujours tout là. Genre, toute la liste là. Ah, ok. Attends. Il faut que j'augmente dans tout. Là, tu peux augmenter dans. Demain. Va dans demain. Attends. Charge demain et augmente. Compétences. Demain. Ouais. C'est genre comme t'as une arme à deux mains, tu vois, ça augmente tes dégâts et tout. Genre, après, quand tu pourras augmenter, genre, ouais, ça aura par exemple 25% de l'armure du mec et tout, tu vois. Je vais dans l'arbre de deux mains. Et t'augmentes le premier point, tu peux. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà, je peux augmenter le deuxième point là. Bah, vas-y, fais. Ouais. Position du champion. Ok. Pour l'instant, j'utilise que une main à la fois, je crois. Non, non, t'as une arme à deux mains. T'as un espadon de fer, c'est ça? Bah là, j'ai une hache, j'ai une putain de grosse hache, sa mère. Mais tu la tiens à deux mains? Ouais. Bah voilà, c'est bon. C'est ça. Ouais. Coup, je te préfère une quête pour qu'à la fin t'aies une hache. Bah t'es la même que la mienne actuellement. Et c'est une hache à deux mains, ça explose des mains. Je me suis promené, je crois. Ah, c'est chiant. Attends, là je fais le chemin inverse ou quoi? Attends, je reviens deux secondes. Ah, c'est bon, je suis à la fin. Oui, je... Coup de hache! Ta gueule! Meurs! Ok, puis on va je vais voir ce qu'il y a après et puis on va sûrement se quitter là dessus. Ah, c'est quoi là? Ah, c'est peut-être là vraiment qu'il y a le truc gazeux. Non, je suis en train de tout refaire en sens inverse là. Attends, mais je sais pas c'est où là. Je suis où? Ah, mais le donjon continue par là. Bah, c'est peut-être que il peut y avoir un truc du coup. Oh putain, il y a encore plein de morts vivants de merde. Oh là là, il me shoot. Shoot. Ah, tu vois plus. Ah, je peux plus me toucher. Ah. Je te défonce. Voilà, je te défonce. Il est où ton pote? Hop, hop, c'est pas visé. Hop, je te rush. Je te casse les jambes. Et je te casse tout. Voilà. Ok. Je vais y avoir un coffre ici. Il n'y avait pas un coffre pour le parler? Ah bah, Nevermind, hein, c'est qui je suis con.
Ok, j'ai mis un truc. Je sais pas du tout où je suis là. J'explore. Ah bah voilà! Voilà le truc rond. Putain. Ah putain, j'ai rien vu. Attends. Bonjour. Ouais, j'ai trouvé le truc rond, Zul. Ah voilà. Et il y a une énigme. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent m'aider pour l'énigme? Google est ton ami. Non. On va tester les trucs. Ouais, si tu testes tout, il y a beaucoup de choix quand même. Ah, il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Là, j'ai trois ours. Marche mec, 3 ours. Attends, comment je peux faire? Il y a soit ça, soit ça. Ok. Ah, pire, non, je sais. Peut-être. Oh, j'ai trouvé! Easy! Et... les araignées, les chauves-souris, super. Il n'y a rien là-bas. Ah, je suis keblo! Allez! On va essayer de pas tomber, hein. Il y a un coffre. Flèche d'acier, gemme, or, bâton de cour. Bâton de courage. Ça, Moi je l'ai pris. genre, ça se vend cher, mais Ah, nickel. Je pense qu'il faut aller là-bas après. Il n'y a rien ici. Donc on va continuer là-bas. What? Voilà, par contre, je suis dans un bon petit cul-de-sac là. Ah non. Nevermind. Chemise spirituelle, or, potion. Je suis sorti! Alléluia! Pas mal, pas mal. Ben voilà, parfait. Et là, on se casse la gueule et on va quand même se garder. Alors, maintenant que je suis là. On va se regarder rapidement. Par contre, faut que je descende dans cette merde. Est-ce que je peux sauter là? Non, si je saute, je meurs. Attends. Hop.
En Skyrim, tu peux vite mourir en sautant mon bro. Hein. Ouais, je sais, bah, j'ai vu le Best of Daldé, il mourait un moment quand même, il sautait de trop haut, quoi. Mort au renard. Zbré. Bon renard, super. Bon, il faut que j'aille où là maintenant? Oh. Attends, mais il faut toujours que je retrouve la pierre de dragon? Bah ouais. Tu l'as pas récupérée, elle était dans le coffre derrière la porte. Que je t'ai dit d'ouvrir l'énigme. Mais c'est... What? Non, oh. Maman, elle est là-bas. Ah, oh, c'est une blague. Bah ouais, sinon. Normalement, elle est là-bas en plus, je crois. Mais je les récup alors. Mais c'est tout récup, ah. Normalement. Mais elle était genre posée sur un truc d'estal ou je sais pas quoi. Ah. Oh non, mais putain, c'est bien qu'il faut tout que je refasse là. Tu peux repartir par. Ah non, 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 attends. Non, mais je peux repartir sur ma sauvegarde. Parce que là, en fait, je suis descendu. La presse F5 alors. Ou F9 plutôt. F9? Parce que en fait j'ai descendu la montagne. Ok, ça veut dire qu'il faut que je retourne dedans, ça veut dire. Oh putain mon dieu quoi. Ça a été posé sur un... Ah mais je peux pas. Ah je peux pas remonter par ici. Ah si c'est bon. Non. Je peux pas. Allez remonte. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne dis pas que je dois tout recommencer. À l'aide. Je peux pas remonter. Je peux pas remonter, c'est une grosse blague. C'est con. Ah, je vais me suicider. Ah ouais, non, on peut pas remonter. Oh, sérieux, quoi. Ah non, je suis vraiment obligé de tout faire. Là, c'est con, là, tu vois. J'essaie de remonter, mais... Bon, bah, on va tout faire. Hein. De toute façon, c'est fait maintenant. Hein, Ah bah ouais. Oh, j'ai réussi à remonter. Oh putain, yes. Attends, elle est dans la grande salle? La pierre de dragon, azur. Quoi? Ah mais c'est ça? Attends. Mot de puissance appris, force, déferlement. Tu l'as récupéré? Bah apparemment, ouais. Il y a un mort vivant, il est sorti du coffre. Si tu veux, c'est ta merde. Voilà, pierre de dragon. C'est bon. On est bien. Bon, maintenant il faut que je la rapporte à l'autre con. À Farangar. Farangar. Ouf. Putain, oh, heureusement que j'ai réussi à remonter, hein, parce que putain, s'il fallait tout que je me retape, j'allais tomber en dépression. Hein. Ok, nice. Bon, ça fait déjà, je pense, un bon épisode d'une heure, je pense. J'ai pas regardé, parce que comme j'ai cut à des moments, tout assemblé, à mon avis, ça doit bien faire une heure. On va se laisser là-dessus. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis au prochain épisode. Ciao!